Grazie. Sa esprimir con parte mi trifie. Sono quasi teso di caratteri, mi sa mancare, pur permettere di fare fuori. J'avais dit en gosse la vocation, pour le sacerdoce j'avais raison. Drapé dans ma robe de prédicateur, j'aurais fait sans doute un moine à la... Tiens ma petite fille, va porter ça ce pauvre homme, il faut toujours secourir les malheureux. Va. Pourquoi tu me donnes 100 sous? Je veux t'acheter du pain. Pour les vieux, je me dérange, je monte l'escalier. Mais je ne les vois plus rarement. Nous sommes en froid. Nous sommes chiqués la gueule les dernières années par rapport à nos idées. Alors je les ai plaqués. Et aussi, il y a vraiment dans la rue que je ne me sens chez moi. La Palisse. Comment écrivez-vous votre nom? Je ne l'écris pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas écrire. C'est une raison majeure. Nous allons nous débrouiller. Notez bien, monsieur Desmeldeuses, que si je savais écrire, il n'y aurait aucune raison pour que je ne l'écrive pas. Comment vous appelez-vous? Gisèle. Ça fait Gabi. Veuve? Pourquoi? Avec qui êtes-vous? Avec un monsieur. Comment est-il? Jaloux. Et vous habitez l'hôtel? Oui, allez. Une exception en me recevant chez vous. Pourquoi? Parce que vous vous appelez Boisdieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi, Raffenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne. Bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment? Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre. Alors je croyais que... Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Tu comprends bien. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Oh là là, deux types qui sont du milieu sans en être et qui connent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous guettez tous? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou. Il va se foutre par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Il est à sa fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Ça, elle ne vous le pardonnera jamais. Non, je le sais bien. Mais si vous me quittiez, je serais très malheureuse. Et je ne veux pas être malheureuse. Ma chère amie, excusez-moi. Je n'avais pas l'intention de vous faire de la peine. Seulement, mettez-vous à ma place. C'est incompréhensible. Moi, j'ai la tête qui tourne, mais c'est pas désagréable. Dites donc, mon ami, le garçon qui me sourit là-bas, il a de beaux yeux. Nathalie, je vous en prie. C'est drôle comme je me sens légère tout d'un coup. Enfin, je suis bien. Pas peur, imbécile. Il y a une heure qui est au soleil, tout de même, c'est pas la peine de l'assassiner. Père, tu nous voudrais tous les deux à la maison? Toi, oui, mais lui, je sais pas encore, parce que je le connais pas. Le verbe, je range mes affaires avant que le maître ne m'en ait donné la permission, et je m'engage à ne plus recommencer durant toute l'année scolaire. Ah. Oui, le rationné! Oui, vous êtes en vacances! Oui, c'est le 22 décembre, oui, en vacances. Merci. Il se mit à chanter. Alors, j'emmerde les gendarmes là-haut, là-haut. J'en rencontre une chaque matin dans ma glace,
accompagné d'un ange. Vous êtes formidable. Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais. Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard. Oh, pariez grand, vous savez. Pariez tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Bouge pas, toi. Juliette, Monsieur Clarence veut voir le manteau. Mais je n'ai pas fini. Ça ne fait rien, amenez-le comme il est. Mais enfin, tout de même. Ne cherchez pas à comprendre, c'est pas le moment. Allons, venez vite. Dans les yeux de Logis, qui suivait docilement ma mesure, je lisais tout à coup beaucoup de choses, de la fierté, de la joie d'être pardonné, et aussi c'était bien nouveau chez lui, comme de la reconnaissance. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Moi? Pour rien. En somme, vous êtes le principal collaborateur de mon père, vous? Oui, pourquoi? Pour rien, je n'avais jamais réalisé. Je mets une valse, c'est pour Gertrude. Vous connaissez cette air-là? Non. Moi non plus. Et pourtant, pour les chansons, j'en connais un rayon. Moi, je l'ai déjà entendu. Mais où? Un jour, quand même, j'ai eu de la chance. Oui, je me sentais en forme. Il y a des jours comme ça où je me sentais en forme. Je me sentais que j'allais avoir quelque chose. J'étais avec mon fusil, puis il y avait un lapin qui m'avait vu. Alors il se tournait, tout doucement, sans s'en faire, parce qu'il me connaissait. Tu la manges avec quoi, ta soupe? Tu veux que je te saigne, dis, Schumacher. Tu me tuerais pour défendre ta soupe? Oui, et tu serais pas le premier. La petite a faim, elle n'a rien mangé depuis 3 jours. Qu'est-ce que je te disais? Pour moi, ton monsieur Bob, c'est un beau phraseur, rien de plus. Pourquoi tu dis ça, Charlotte? En tout cas, c'était pas une raison pour m'écraser les orteils avec ton soulier chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Moi? Voici Fabrice Del Dongo, véritable héros de légende. Fabrice jeune, impétueux, passionné, romantique. La douce Clélia Conti. La belle et ardente du... Nous en contenter. Oh, mais permettez-vous l'estadance. Oh, ce sera avec plaisir, général. Mais je n'ai pas encore dîné, excusez-moi. Tout à l'heure, pour un tango de préférence. Sus deseos son órdenes. Je connais une auvergnate qui aime un bougnat. Quand elle dit « avant les pattes », il t'écrit « fauchera ». Achète que tu me donneras, tout ce que tu possèdes. Pour l'instant, réponds... Mais cette âme n'est pas commode à saisir. On ne sait par quel bout la prendre. Oui, c'est cela. Oh, génial Lucifer, toi seul as des idées pareilles. Démangeaison ici, hein? Ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi. Pauvre Victor, assez gai d'être ton ami. Tu en as fait un condamné de droit quand même, maintenant tu lui brises le cœur pour t'amuser. Je l'ai sauvé d'une douleur bien plus affreuse, dans 2 ou 3 mois. Oui. Et moi aussi, tu m'as sauvé, probablement. Oui.
mon Dieu, je commence à vous comprendre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Chez nous, c'est si facile. Vous avez bien vu l'escalier, avec le petit renfoncement. On était presque forcés. Ah, parce que c'est... Fermé. Bouge pas, Roland. La femme est gentille, elle veut lui faire plaisir, c'est tout. Bonsoir, la tulipe. Monsieur la tulipe, je vous fais grand compliment. Monsieur Lanvin la tulipe. Me voilà. Reste ici. Bon, je te prends. Ne le mangez pas. Je vous passe le sabre à travers les tripes. Fille, d'embrasser tout le monde. Tu veux que je t'embrasse? T'es pas gentille. Pourquoi? Ce que tu m'as dit pour la croix du curé. Bah, tu me l'as pas donné. J'ai essayé, j'ai reçu des tartes. Ici, les tartes. Embrasse-moi dessus. Mieux. Ça, il peut y avoir autre chose. Autre chose? Et quoi, par exemple? J'en sais rien. Tu crois qu'il y a autre chose? Je crois rien. Sûr, c'est à bête que ta bande de révolutionnaires envoie son chef prendre des leçons de courage d'un prêtre réactionnaire. Je t'offre un verre, je t'en offre un autre. Et de fil en aiguille, je vous la ramène. Il n'y a que les laisser dormir. Ou je les dépose. Sa chambre est là-haut. Je vais vous aider. C'est pas la peine. Arrêtez, monsieur le cardinal! Vas-y, à toi de rouler. Tu sais que c'est moi qui fournis la cam ici depuis des années. Et sans que personne se plaigne, hein. Poids juste et marchandise franche. Tiens, attends une seconde. Les voilà repartis. Et cette fois, pour leur troisième tour du monde. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Je 2000 francs, nom de Dieu, janvier! Janvier, 2000 francs! Rien du tout! C'est une injure? Salope! Ne gaspillez pas ce mot. Il pourrait vous servir. Moi, on me l'a toujours dit comme un mot d'amour. C'est idiot, mais je voudrais me baigner avec toi. Va te baigner avec ta maîtresse. Avec moi, c'est fini. Ah, c'est comme ça, hein? Et je te prie de sortir. Elle n'ira pas au bagne? N'ira ni au bagne ni en prison. Cet incident est un fait de police municipale. Je suis votre supérieur et je vous demande de relâcher cette femme. Je suis au regret. Je vous ordonne d'obéir. Sortez. Avec joie, si vous voulez bien de moi, mon colonel. Oui. Eh ben, t'excites pas trop, mon garçon. Attends de connaître ce type-là d'abord. Le colonel? Oui. Le colonel, oui. Je n'ai rien à attendre de lui dans une mission. Rien! Ah, celui-là a quelque chose à... Elle ne pouvait hésiter. On ne résiste pas au bonheur.
Jamais plus. Enfin. Devine depuis combien de jours on est sur ce tronc-là, le marquis et moi. Il y a eu 7 jours hier, et c'est pas fini. Tu as raison, hein, pas d'excès de zèle. Non, mais pour qui nous prennent, ces gens-là? Si nous n'aimons pas eux, tu vas nous apprendre à rien foutre. Léger, léger, léger. Remontez, protégez-vous. Et rends-toi, bossu, tu es perdu! Le bossu est mort! Vive la galère! Christian, lâchez ça. Lâchez ça. Elle est à vous. Vous voyez, moralement, on n'a pas le droit de vous laisser toute seule. Il pourrait vous arriver quelque chose. Dans le fond, moi, je vois qu'une seule solution, boire. Quoi? Le fait est qu'un petit verre, ça... Ah oui, hein? Ça, comme tu dis. Il n'y a qu'un seul ennui, c'est que moi, je bois jamais. Tintin en pleine action. Attention à ce que vous faites, en d'un plat! Qu'est-ce qui va fichu un équipage pareil? Et voilà le capitaine Haddock et ses célèbres jurons. Le professeur Tournesol. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Oh, ben moi j'avais compris que trouille mal. Salut, Gibbet. Salut. Oh, ben si je reçus, j'aurais pas venu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les Vélerans, ils nous ont barré le chemin et puis canardé avec des pierres. Puis ils nous ont traité de tous les noms d'oiseaux. C'était pas des noms d'oiseaux, je te dis. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà... Excusez-moi, Maurice est encore là? Non, il vient de partir. Je vous dérange? Non, au contraire. Avec un pompiste, t'avais même un revolver à la main. On est bien forcé de s'en rappeler. 2 ans de nioupe, je suis à jour, non? On va m'emmerder avec ça toute ma vie? Erreur de jeunesse, ça s'appelle. Justement pour qu'on n'en cause plus. Un jour, c'est nous que tu tueras, ton père et moi, de chagrin. Bah, comme ça, on trouvera pas l'arme du crime. Joyeux anniversaire, mes vœux les plus sincères, que ce beau présent vous rende riche et content. Ah, elle y a pensé. Elle y a pensé. Oh, Cynthia, ma biche. Mmh. Au fond, tu es un petit être exquis. Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse? C'était des boîtes. C'était des boîtes. Des boîtes? Sa bouillabaisse? Vous voulez peut-être dire de la conserve? Attention, monsieur, à ce que vous dites. Vous l'insultez. L'enlève! Oh, merde! Il l'enlève! Des pétroles avec sa Land Rover en rideau. Il avait sa bonne femme avec lui. Il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. C'est pas comme le pelletage, hein? Bonjour, ma sœur. Dites-moi, ma sœur, je suis en panne un peu plus loin, alors auriez-vous la bonté ou la charité? Bien sûr, montez. Merci, ma sœur. Ça va, Thomas? Ça va, mon lieutenant. C'est un endroit sûr? Et lui? Lui, il est sûr.
Ah ouais. Un. Deux. Fais pas le con. Mais qu'est-ce que t'es venu chercher? L'horoscope du jour. Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Tu vas me dire ce que tu aimes, ce que tu as envie, et la même chose pour moi. Alors vas-y, commence. Ah, les fleurs, les animaux. Une égale deux, et deux n'en font qu'une. Maintenant, si nous redescendons dans la clandestinité, ce sera pour en sortir au grand jour. Presque tous les commissariats et les bureaux de poste sont occupés. De toute manière, 12 balles pour vous, 12 balles pour vous. 24 balles. Quel gâchis pour des gens comme vous. Qui vous a donné ces chiens? Qui vous a procuré ces uniformes? Qui sont vos complices? Germaine! Je suis là. Bon, il y a un mystère que je veux éclaircir. Quoi donc? J'avais ici une valise à laquelle j'attachais beaucoup d'importance. Celle qui contenait 60 millions de bijoux. Ne dites donc pas de bêtises, vous voyez bien que mon mari n'a pas le cœur à plaisanter. Celui-là! C'est délicieux, délicieux. Mange, mon fils. C'est délicieux, mange. Que c'est bon. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est... Allez, mange, allons. Laf. Toute la Gaule est occupée. Toute, non. Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés romains. Et comme je suis aimable, en souvenir de la faille a été de Pershing, je vais vous le montrer, mon dos. Regardez, vous allez voir. Vous allez... Ah, vous l'obsédez au coin. Non, là-bas. Et vous ne le regardez pas. Non, je ne vois pas. Le rôle de la gendarmerie dans la mission de renseignement. Messieurs, vous avez une heure. C'est bien au monsieur anglais du 6e que j'ai l'honneur de parler. Oui. Je suis à bout, monsieur. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreux boudin de femme, et votre sale chat. Je ne marche pas, je ne marche pas. Monsieur de Tartas, je ne marche pas. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la grandeur d'un pays? Je m'en fous. Vous n'avez pas le droit. Ce qui fait la grandeur d'un pays... Vous vous appelez Roger Sartet. Vous êtes né le 15 octobre 1935 au numéro 27 de la rue des Cordonniers à Nancy. Vous avez été élevé, ainsi que votre sœur Monique, par votre père, qui travaillait dans une usine de filature. Réponds à ma question. Rends-moi l'île de mes jets, je peux pas te répondre autrement. L'esprit se refuse à admettre que les organes le trahissent. Nous vivons une époque impitoyable, il faut être lucide, Cruchot. Mais je me sens bien, moi, mon colonel. Garde-à-vous. Garde-à-vous ! Assemblez tous vos hommes ! J'ai ici quelques poèmes des temps futurs. Les anciens ont écrit de fort belles choses, évidemment. Mais les poètes de demain devraient vous exalter davantage. Écoutant ta guitare fée, tes objets de... Vivre, c'est aimer. C'est amusant. Je vous dérange. Mmh.
pardon, excusez-moi, attendez. Aïe. Bon appétit. Oui, oui, oui. Il en manque une. Vous êtes sort ? Tout à fait sort. Je suis fou. Je n'en peux plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane... Je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite. Et le nom... C'est peut-être moi qui arrive trop tard. Pas du tout. Je vous attendais. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Champagne, whisky, cognac? Je veux bien un petit peu de champagne. Mais c'est magnifique. Ici. Il m'en faut 12 bouteilles. En verre, hein, pas de plastique. Ah, ben vous êtes pas partie. Si, mais on n'a pas été loin. On a trouvé un coin super sauvage avec des fleurs. Peut-être vous préférez l'accordéon. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob? Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Menteur! Terre a gagné. C'est un vrai homme sauvage, lui. Bats-toi! Je suis sûr que ça vous ferait du bien. Surtout avec vos responsabilités, tout ça, hein. Justement, ma responsabilité, c'est qu'on parte. Pas qu'on se baigne. Un petit bain pour le chef. Un petit bain pour le chef. Sans pas en joueur. On n'est pas bien. Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Gate d'Angleterre, Saint-Denis. Le départ à destination de Bangkok. Vol Air France 428. Embarquement immédiat, porte numéro 37. Emmanuel. Donner un coup de couteau à personne dans la cave. Il n'y a personne dans la salle. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Tant qu'il faut pour persuader Jacqueline d'être vous. Jacqueline? À moi? Je pourrais dire, comme beaucoup d'amants, que c'est parce que j'aimerais vous voir avec une autre femme. Mais ce ne serait pas la vraie raison. Votez l'ardate. Mademoiselle, vous savez que pour imprimer ces bêtises-là, on abat des arbres. Mmh. Et les arbres, mademoiselle, c'est de la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est de l'oxygène. Alors pour faire sa campagne, l'ardate, il déboise les nôtres. Jusqu'au bout de ses repas. Il vous faudra pourtant l'achever jusqu'à la dernière miette. Bon appétit. Oh, enfin une épreuve intéressante. Elle est pour moi, hein? C'est indiscutable. Maman,
Ah non, il n'a pas le droit, hein. Il n'a pas le droit. Belle robe verte. Partons, s'il te plaît. Ça. Oui, c'est ma pointure. Et tu en fumes, toi, maintenant? Comme ça, là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je travaille. Pourquoi? Ma campagne électorale coûte très cher. Attention, hein. Corruption d'un candidat, ça va chercher loin. Vous avez risqué. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, Monsieur Laugier a écrit « Le risque, c'est ça ». Je dis bien que c'est une idée fantastique. Parce que si je n'avais pas tourné la page, Monsieur Laugier avait zéro. C'est quoi vos prénoms? J'ai été tellement déprimée que j'ai cru que j'aurais pas la force de venir jusqu'au club. Alors, il a été très chic et puis il m'a dit « Ma petite Gisèle, sauver notre amour, il faut qu'on se quitte. » Oui, il a très bien fait. Est-ce que moi, c'est... Je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Pardon, messieurs, pourriez-vous ôter vos pantalons, s'il vous plaît? J'ai dit ôter vos frocs. J'aimerais voir ce que vous portez en dessous. On dit que la soie revient à la mode. Oh, c'est malin! Oh, laisse tomber, c'est une folle, elle sait pas ce qu'elle veut! Non, enfin, j'étais à deux doigts de conclure, t'as tout foutu en l'air! Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens! La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, l'on rentre. Fais pas le con, je sais pas nager! Tu sais pas nager? Mais non! T'aurais jamais dû me dire ça. Pourquoi? Parce que je vais te pousser. Mais non! Mais si! Dormez, petits oiseaux chéris, petits oiseaux chéris, dormez, petits oiseaux. Asseyez-vous. Attention, une phrase va défiler sur cet écran. Répétez-la. ONU, Organisation des Nations Unies, fondée en 1940. Regardez-moi ça! Mais regardez-moi ça! Non! Regardez-moi ça, j'en ai besoin! Dreams are my reality. Depuis hier, plusieurs personnes ont été tuées par les zombies, dont ces deux policiers restés sceptiques. Et pourtant, personne ne veut nous croire. Nous devons prendre notre destin en main, nous ne pouvons pas rester prisonniers de notre peur. Il nous faut... La première droite ou la bonne nuit. Pourquoi, on n'est pas assez tranquille ici? Non. Celle-là? C'est parti! C'est votre femme? Oh, je ne voyais pas du tout comme ça. Moi non plus. C'est dommage, oui. C'est vraiment dommage que vous ne soyez pas venu boulevard de l'Âtre. Voilà! T'es content comme ça?
Ça te plaît, ça? Je le dirai à mon père. Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute que tu dis à ton père? Qui c'est ton père, d'abord? Mon père, c'est le maire, vous allez voir. C'est le maire? Bon, allez, va t'asseoir, va manger. Tiens, ça, c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Une vaquette de printemps, le bac à l'an actif. Gamin? Vous m'avez traité d'abruti? Hein? Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi alors. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse, je ça, te mets. Ça nous intéresse pas! Arrêtez ça! Arrêtez! Ça ne nous intéresse pas! Ça ne nous intéresse plus! Je parle pas en pénère, passe-moi la gouille! Ça ne m'intéresse pas! Juif vous êtes? Juif vous avez l'air! Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début. Vas? On dit pas juif vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. Pauvre con. L'emmerdement commence. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est heureuse. On danse? Qu'est-ce que vous voulez faire? Grimper aux arbres? Les premiers mots qu'elle m'a dit, c'était déjà un coup de marteau. Rassurez-vous, Madame Bourdel, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. Autant ! Alors, Georges, mon steak. T'as encore faim, toi ? Il m'a foutu un coup de boule ? Le mec, il m'a foutu un coup de boule ? Il m'a foutu un coup de boule, toi ? On a foutu un autre, dis donc. Ah bon, tu veux arrêter quelqu'un? Ah ben dis donc, tu vas pouvoir faire un carton, hein? Tiens, la terrasse du café, là, trop longue d'un mètre, interdit, article R38-7. Cette bonne femme à poil sur l'affiche, là, c'est interdit. Et dans le temps, c'était une maison pleine de rires, de poursuites, de bagarres. Maintenant, il reste plus que des lits superposés vides, une chambre abandonnée, des jouets qui rouillent dans un placard et un alcoolique parasite qui essaye de s'incruster dans mon cafard. Je suis pas un alcoolique, je bois parce que j'ai une boule dans la gorge. Et moi aussi, j'ai une boule dans la gorge. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, c'est à cause de ça. C'est Jean-René qui me l'a donné. Attention, si t'es pas habitué, tu vas te malade. J'ai des conneries et les autres m'ont rien fait. C'est toi qui as insisté pour la conduire, cette bagnole. C'est le 17e essai, t'es vraiment nul. Allez, tu recommences. Police, menottes, prison. Qu'est-ce que... Elle pleure. Oui, chaque fois que je la recouche. Elle a peut-être soif. Mais non, ça doit être ses dents qui la travaillent. Qu'est-ce que je fais? On a acheté du sirop de la barre. Ouais. Et c'est ça. Plutôt mourir! Mourir? Si c'est là ton désir, rien n'est plus simple. Qu'on les mette tous deux dans les prisons du Colisée. On les jettera aux lions. C'est qu'elles ont faim, mes grosses bêtes. Excusez-moi, j'arrive jamais à dire ce que je pense. J'essaie un truc et puis après, je fais autre chose. Peut-être que je suis pas normale.
Alors là, mais elle est vachement bien. Bah non, je fais une sale gueule, regarde. Mais pourquoi tu fais la gueule? Je suis bossu! Vous ne le savez pas! Vous croyez que c'est facile? Tiens! Mais y'a personne là-haut! Y'a personne là-haut! La source, les œillets, la ferme, le trésor, l'héritage des Soubéras, ma vie. Tu le sais, toi, tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Écoute. Quoi qu'il t'arrive, tu pourras pas empêcher le jour de se lever. Et ça, ça c'est la plus belle leçon d'humilité que tu puisses recevoir. C'est nous qui avons besoin de la nature, pas le contraire. Bonnet, Négus et Dupré sont morts à Auschwitz. Le père Jean au camp de Mauthausen. Ah. Alors, comme ça, on a allumé un flic au chalumeau. Alors, il est où? Il est où, Charlie? J'en sais rien! Oh oui, ça me plairait, ça. Et pas tant. Ça lui fera le plus grand bien, ça. Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli. Et vous restez dîner? Non, je vous remercie, j'ai déjà trop abusé. Je me sauve. Je vous raccompagne. Et que... Ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes? Non. Dis-moi. Tu descends au fond de la mer très loin. Si loin que le bleu n'existe plus. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant? Tu vois? Non, mais... Ah bah oui. Non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah non, mais là, c'est... Bah oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. À jamais. Cet aveu vous donnera peut-être à rire après tant de mois de séparation. Il me soulage. Il m'assure que je suis vivant, en paix avec moi-même. Chef, c'était un tout petit menhir de rien du tout. Ça y est, il revient à lui. Ah. Hein? Comment te sens-tu, Panoramix? Très bien. Vas-y. Accouche. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout. Et tout quoi? Tout ce qu'on sait déjà. Mais on aimerait beaucoup que tu nous le racontes toi-même. Je m'appelle Michel Blanchard, Victor, nettoyeur. La salle de bain. Au fond. Mais d'esprit! Oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention? Jamais vous n'avez rien vu? Ce qu'il paraît quand il est mort, il a essayé de dire le secret. Il a appelé mon père et lui a fait « La sauce, la sauce !» Et toc, il est mort. Tiens, les miens, ils y penseront jamais, ils s'aiment. Les miens, ils sont contre. Moi, ils n'ont pas le droit, le pape, il veut pas. Voilà, tu vois, j'ai la même chambre chez papa que chez maman. Ça te plaît? Regarde, le même mot. Vous pouvez pas leur foutre la paix? Vous voyez pas qu'elles ont du chagrin? Ouais, mais elles nous engueulent! Pourquoi elles nous engueulent? Vous dites pour rien, merde!
qu'est-ce qu'elles font là, si elles y sont pour rien? Je sais pas! Je sais pas! Je suis si sauvage, monsieur, que je pense que je n'appartiens qu'à moi-même. Je dirai à Sa Majesté qu'elle s'est montrée trop généreuse quand elle a posé son regard sur moi. J'en viendrai. Il neigeait sur Marseille. Une de ces neiges que de mémoire de Marseillais, on n'avait pas vue depuis 40 ans au moins. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti cette impression. Quelle impression ? D'être comme un gamin, sentir un truc nouveau, un truc que tu te poses pas de questions. J'ai senti ça avec la première fille avec qui j'ai flirté. Je suis tombé sur Toby Aircraft, il s'est fait éreinter par la presse financière. Là. Oui, bah, plutôt, là. Là. Peut-être là. Qu'il faudrait le sucer. Oui. Pourquoi vous essayeriez pas de le... Non, mais moi, je peux me retourner. On se retourne, ça va. C'est vraiment pas drôle. Okay. Je dois vendre à son meilleur ami, n'est-ce pas, mon grand, hein? Alors là, mon grand, je suis emmerdé. Parce que, justement, ces 20 actions, je les ai vendues hier à ma fiancée. C'est qui, ça, ta fiancée? Ta femme, Fleurette. Quoi? Ça fait 3 ans qu'on couche ensemble, hein, Jacques? Allez-y, bande de lâches! Tiens, tuez-nous! Il y en a encore 10 000 autres à tuer! Oui, bah oui, monseigneur! Et tirez! Il y en aura 10 000 encore! C'est pas les Belges qui vont prendre notre place! Tuez-nous! Mais tuez-nous donc! Allez-y, bande de lâches! Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Pardon? Quoi, nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer. De prendre pour épouse Marguerite de Valois. J'accepte. Marguerite de Valois. Acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? C'est à moi que tu parles, c'est mec, c'est à moi qui parle, son cul, c'est à moi qui parle, putain. C'est à moi qui... Rien à voir avec la fatigue. Ah, tu es devenu un salaud, toutou. Regarde devant toi, sinon tu vas t'emboutir. Bon, maintenant, vous allez me dire ce qui vous amène vraiment. Ce que je vous ai dit, avoir des nouvelles. Ça suffit. Ma belle, pendant des années, à chaque fois que tu me voyais, tu me regardais avec l'air de dire que ma vie t'avait un goût. Et maintenant, tu t'habilles en arbre de Noël pour venir dîner avec moi, pour avoir des nouvelles. Et ben, ça marche pas. Puis t'es con, tu vois. Enfin, vous êtes con, quoi. Mm. T'es très con, je te le dis. Quand tu dis les rastaquaires, les machins, je supporte pas, quoi. Je te le dis gentiment. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Oui, je crois que je commence à comprendre. Vous avez vu, Didier. Ah, pour une fois, t'es moins con que t'en as l'air. On vous foutra dehors. Néon Pousquet. Voisin. Des barbares.
Oh, il me fout les grelots. Il était fou, il est devenu dangereux. Pareil que je fais du bruit. Ha ha ! Culot ! Sirmole ! Ah, la grenade ! On a fait du hachis là-dedans, du parmentier. Tiens, là, un grand bulle. Il se tenait le bide, les mains pleines de sang, de merde. Oh, je l'ai flingué à bout portant, il me faisait de la peine, je te jure. Allez ! Tiens, voilà, Ahmed. Je crois que je vais rentrer, là. Oui, ben, c'est ça. Viens. Attends, je vais voir. Quand j'ai rencontré papa, c'était une drôle de rencontre. Un homme marié, ça commençait plutôt mal. On était vraiment amoureux. Didier... Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. D'accord ? Il faut qu'on monte notre boîte, il faut qu'on monte plus haut. Enfin, ça va, je vois où tu veux monter plus haut, hein. Quoi ? Non, parce que si tu veux frimer la fille Benzaken, laisse tomber, elle est pas pour toi. Mais non, mais n'importe quoi, aucun rapport, aucun rapport. T'es un fou furieux. Dove, écoute-moi, marche avec moi. Yeah, yeah. Yes? Hey, dog, man, bring it here. Hi, sweetie. I love you too, Major. But you haven't called me that since basic training. He's talking to the cat. Ne rigole pas, parce que là, je suis venu récupérer ma thune. Là. Attends, pourquoi tu joues les vénères, là? Vénère parce que je veux ma thune, là, tout de suite. Quelle thune? J'ai pas de thune. T'as pas ma thune, toi? Quoi? Tu vas pas me donner ma thune? On va la chercher tout de suite, la thune, là. Mais vas-y, prends-la. Va te faire enculer. Toi, tu allais me dire d'aller me faire enculer. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on n'a jamais vu un pharmacien fumer une cigarette. Avec un patch anti-tabac. Ouais, mais alors on n'avait jamais vu un flic taper correctement à la machine, hein. Ça l'empêche pas d'être flic. Hein. C'est lui. On va bien s'entendre. Oh là là. Non, mais attendez, oh là là, vous n'avez pas tombé dans le cliché du flic sucette. Merci beaucoup, monsieur, mais ne restez pas là. C'est dangereux. Laissez faire les pros, ok? Ok, ok! Ah. Je vais pas me retaper ce truc là. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Pourquoi es-tu méchante? Pourquoi es-tu méchante? Mais tu es la voix du chapeau. Je suis Kirikou, qui sait ce qu'il veut. Et je veux savoir pourquoi tu es méchante. Des marins, des romains, il y a des romains là, il y a des romains. Parce que c'est toujours comme ça avec moi, ça commence mal et ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez les papiers collants qu'attirent les mouches en spirale? Mais c'est moi craché. Les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Ça, c'est mon rêve. Quand pour un mec, je sais très bien que je suis juste une chatte qu'il a envie de bourrer. Sans faux semblant sentimental. Juste du désir cru. Oui, bah personne ne saura parce que moi j'arrête. Il n'en est pas question. Vous entendez? Vous n'avez pas le droit. Doucement avec tes menaces, machine du mal. Je suis pas une page près maintenant, hein? Oh, I'm a serial writer now. Hein, d'ailleurs, c'est peut-être toi l'acte 5. Les médecins boivent, se droguent, fuguent, baisent mal. Flambeau course et au casino. Frappent leurs enfants, délaissent leurs proches. Et quand ils en peuvent plus de leur vie de con, ils se tuent.
The. 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 Ah. The. 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 Yes, very good. The. The. Yes. The. Okay. The. Okay. The. Alors les petits pédés, on n'est pas au défilé? Ça nous excite pas tous ces beaux militaires, hein? On préfère rester en famille à se grignoter la biscotte, hein? Dites-moi, ça vous dirait une love parade? Allez, qui même me suit? Vous connaissez Monsieur Mariel? Très heureux, j'ai beaucoup aimé votre dernier film. Ah oui? Très bon. Vous vous souvenez du titre? Mais si c'est trop, ça fait presque 2 heures de trajet. Si c'est trop, c'est trop. Non, 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 papa, pas à demain, pas à demain. Non, pas. Allô? Allô? Ils veulent répliquer ici? Ouais. Génial. Ça, tu fais le malin, hein. Tu fais le malin parce que t'as un condé pour ta plaque et ton calibre. Qu'est-ce que tu fais, toi, hein? Fils de pute, va! Ok. Eh, hey, je t'oblige de voir. Mon calibre. L'année prochaine, si Dieu le veut. C'est comme ça qu'on dit, non? Nikomok. Pardon? Ça veut dire longue vie. Oh, c'est incroyable! Nikomok. Nikomok. Patrick, je t'en supplie. Descends. Oh là là, regarde, là, t'as une tache. Hein? Piscine. Ma parole, comment ça m'a bien fait délirer. Ah bah c'est normal, tu sais pourquoi? Parce que c'est très drôle ce que t'as fait. Oh, qu'est-ce que c'était drôle, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi drôle. Vous auriez préféré que je lui dise quoi? Galère est en train de dire que c'est une chance pour un cageux comme moi d'avoir trouvé un type comme vous. Comment vous le savez? Je lis sur les lèvres. De toute manière, hein. Comme les... Vous croyez que c'est pour faire quoi, ça? Pour faire joli? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux. Tu m'avais dit mon enfant sur la terre, être tes frères tu seras récompensé. Moi j'ai prêté ta voiture à Jean-Pierre, il m'a ramené à tête. Je t'ai raconté que toi tu t'excitais, toutes les histoires que je te racontais, c'était que des histoires, c'était que vérité. Il y a plein de choses qui t'intéressaient dans ce que je racontais. Je suis jamais vraiment arrivé à l'extase, mais il y a bien une fois ou deux, sois sincère. Dis-moi, il n'écoutera pas moi. Dis-moi, est-ce que je suis plus que ça? C'est vrai, plus que ça, mon pote. Du, auf den! Hoch! Werft ihn raus! Je peux peut-être vous convaincre. Ah, monseigneur me prend par les sentiments. Qui faut-il tuer pour ce prix-là? Personne, mais vous allez m'emmener à l'aéroport en 20 minutes, c'est possible. En 20 minutes? Oh, je vais avoir le temps de finir mon sandwich. Montez. C'est tout neuf. Oh, faut voir comment ça tourne. Qu'est-ce que tu racontes? Elle sera ta veuve? Sûr. Ouais, y'a pas le feu. Hein. Et toi? Toujours frétillant? Ah non, je me calme, trop de boulot. Moi, je fais de mal à personne. Vous êtes fou? Vous auriez pu la tuer? Votre fille, votre nièce, vous n'avez pas honte? Oh, c'est nous qui devons avoir honte. Il n'a pas honte. Mais non, bien sûr que non, honte de quoi? Téléage monstre, t'as jamais vu ça? Il y a un camion en plein milieu de la route qui essaie de faire demi-tour, t'as quelqu'un? Quoi? T'as quelqu'un dans ta vie? Quelqu'un dans mon lit, tu veux dire? Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Juste une... Comment ça se prononce? Guy. Pierre. Non, c'est plus Guy. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, ce chèque à gueuler comme ça à faire fier le monde? Très bien, ce chèque. Ah ouais? Il manque 2 zéros. Ah mais ouais, mais non. Mais non. 0 plus 0 égale la tête à Toto.
take you out or something. You're married. Not yet. Not married. No, I'm not married. No. Look, man, I'm telling you right off the bat, I'm high maintenance, so... Moi, j'ai une idée, moi. Ah, K2, c'est bien. Je t'écoute. Bah, comme c'est Leto qui a bousillé la dope, c'est lui qui devrait casquer. C'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce, c'est le casse de Bryce. Be nice with Bryce. Qui mise de main n'est par ici, Dieu vous le rendra, c'est un ami. T'as la chance, mamie, aujourd'hui, c'était ta gratuit, c'est Bryce Bandy. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Joyeux Noël. Depuis que je me suis lancée à fond dans la calligraphie, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une forme de sérénité. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ah oui, vous en faites tous les jours? Ah non, pas tous les jours. Mais hier, par exemple, j'avais un petit coup de mou, j'ai fait toute une série de paix, ça m'a bien détendue. Bon. Et quel est ce bruit? Ce sont les villageois qui dansent dans l'eau de la source. Comment? L'eau de la source? L'eau est revenue? Oui, puissante maîtresse. Waouh! Et Kérékou? Sur tous les plans. Oui, messieurs. Attends! Ah! Bernard, fais quelque chose! Ça fait, ça fait, ça fait! Non, ne le dites pas, ça fait ce choc salutaire! Oui, non, mais enfin, c'est joli. Enfin, c'est joli, quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes. Et son écriture est un art. Hein? Des millions? Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais... Vous voyez ce que ça fait déjà, un million, Larmina? Allez, aux vacances! Pastis, parfum bleu! Pastis délicieux! Allez, santé. Alors? On n'attend pas Patrick? C'est vrai? Oui. Tu dis ça pour me faire plaisir? Ah non, je suis très sérieuse. Je le prends pas mal, Nadine, mais moi je pense pas que j'aurais accepté. C'est vraiment joli ici. J'aimerais bien venir de temps en temps pour me reposer. Cette cabane vous appartient, comme tout le reste ici. Bienvenue au pays des Minimoy. Qu'on m'amène celui qui répond au nom d'Arthur. Mmh. Classe. Mmh. Quelconque. Je connais quelqu'un qui va nous sortir de là. Vous avez des taxis dans la police? Non, celui-là est plutôt rattaché à l'armée de l'air. Marseille Express à votre service. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. Madame, pourquoi courriez-vous? Je suis en retard. J'ai cours dans 5 minutes. Oui, mais faut pas courir comme ça. Quand vous courez, votre derrière, il fait des mouvements. Comment dire? C'est impudique. Eh ben, vous avez qu'à pas regarder mon cul! Préféré, Hugo Boss. Chez Madone et à la Rosse, il craint et redouté. C'est celui qu'il faut convaincre. Nous sommes sur une plage. Plage paradisiaque, cocotier, mer turquoise, sable blanc. Deux femmes. Alors deux bombes. Évidemment. Cours sur le sable. Pamela prend la parole. Comme jamais, envie de personne. Besoin de rien, envie de toi. Comme l'hiver aime l'automne. Besoin de rien, envie de toi, envie de...
the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Moins 20, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te foutu du moins 40, tu vois? Moins 40? C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Mais je suis calme. Pourquoi chaque fois que quelqu'un parle avec un minimum de sincérité, tout le monde le trouve dingue? Je n'en peux plus. Je m'en vais. Au revoir, monsieur Mortez. Je voulais juste vous dire que vous êtes une merde, monsieur Martineau. Vous m'avez pourri ma scolarité, vous m'avez fait haïr les études. Vous êtes à la fois un pauvre type, et un salaud, un con, un sadique et un raté, surtout. Vous puez la médiocrité. Mais alors, quel genre de questions il pose? Sur quel sujet? Surtout, sur l'amour, sur la religion, sur Dieu, sur les gens, surtout. Mais c'est très bien que tu aies lu ça. Ouais, je sais. C'est pas de pétasse, hein. C'est là? Ok. C'est bon. Allez. You stupid son of a bitch. Un homme, un sans-papier qui va être envoyé dans son pays où il risque la peine de mort. Alors j'ai décidé de l'épouser pour des raisons humanitaires. Mais on s'en fout d'humanitaire, pardon. En plus, j'ai perdu de mes chemises. Un sans-papier? Et ils sont au courant, l'inspection du travail? Oh, mais ta gueule, toi! Et mes dos? Vas-y, ici, j'ai rien du tout. T'es pas assisté, t'as pas de mandat. T'as pas d'amis, toi? Si tu veux quoi? Hein? Je veux tes pompes. À 100 balles, tes pompes, elles me plaît. Y'a moyen de les avoir. Je te ramène de ta tête, ça va te dépanner. Quoi, te faire enculer, y'a pas tout mon fâche. La scène. Ouais, je suis un insoumis et qui ai redonné à la Marseillaise son sens initial. Et je vous demanderai de la chanter avec moi. Allons, enfants de la... Comment dis-tu avance en arabe? Yalla, mademoiselle Adèle. Allez, yalla! Et comment dis-tu avance, sale bourrique, ou je te découpe en rondelles? Allez, John David, Damon, Jasper, on s'arrache. C'est la pec non parade ici. Je faisais ce truc-là quand j'avais 8 ans. Tu veux jouer à ça? Ok. Ok. Prénocu. Qu'est-ce qu'il y a? Oula. Bonjour, hein, d'abord. Je viens en ami, j'habite à un pays voisin du vôtre et apparemment l'énorme embouteillage qui s'est créé dans mon pays aurait pour origine le vôtre de pays. Je me trompe? Oui, quoi? Non, rien. J'ai cru voir un aigle royal. Aigle royal? Qu'est-ce qu'un aigle royal ferait dans cette région? Bon, allez, on n'a pas de temps à perdre. Au tableau. Allez. Et moi, c'est Tuche. Avec un T. Comme t'es là. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah, où t'es que t'es? Où c'est que t'es? T'es pas là? T'es pas là? Où c'est que t'es là? T'es là? T'es là ou t'es pas là avec un T? Comme Tuche. Comme t'es là. Tuche, t'es là. Liberté! Égalité! Nique ta mère! Oh.
Quel est ton devoir ? De Longeverne, défendre l'honneur, de jamais craindre la peur, aux parents raconter des craques et toujours obéir à le braque. Bon, t'es digne de faire partie de notre armée. Vu que t'es... Mais t'y tenais vraiment beaucoup à ce portable. Bah ouais, quand même. Et pour un ordinateur, tu fais quoi? Je suis désolé, ça m'a échappé. Tu sais, ce livre-là... Ah ouais, les filles du L en parlaient l'autre jour. Quelle ringardise, cette espèce de pessimisme beau. En plus, Féodor Belvédère, pour qui il se prend, ce mec? Sa femme et les enfants. Salut, voilà mes deux petites merveilles, Myriam et Mathieu. Salut. Bonjour. Je n'ai jamais parlé d'Hervé Cockpit. Ah non? Oh, mais écoute, il travaille comme agent de marque à Shanghai. Je suis parti il y a 8 ans, je fais des allers-retours, de moi ici, de moi là-bas. Ah, je te jure, il faut que tu bosses avec lui. Hein. Je te jure, en Chine, il connaît tout le monde. Non, là, c'est on débute, quoi, comme on pourrait dire. C'est leur première expérience. C'est un peu comment ça fonctionne? C'est un peu les rouages? Non, on a déjà vu des films, quoi. Bon, je me présente en deux mots. Quand je parle, jamais qu'on se tait, sinon... Mère, elle doit se sentir seule, là-bas. Oui, Kiriko. Elle est allée droit dans sa grotte, près de la fontaine, de très mauvaise humeur. Mais il y aurait d'autres solutions. Comme loger chez quelqu'un. Justement, j'ai préparé une grosse... Tu sais ce que c'est un beau gosse en Bretagne? Un touriste! Un touriste? Non, c'est pas méchant. Hein. C'est simplement que chez nous, en Gaule, quand on parle de vous, les Bretons, on dit vous êtes un peu... La France est un pays où on a privé l'homme du droit élémentaire de frapper les femmes. En France, monsieur, pas le droit de gifler les femmes. Non! Explique, le sport c'est la vie, d'accord? C'est partout, c'est free. Hey, Britney Spears, ma chérie, quand je parle, tu m'écoutes? Moi c'est Nectarine. Ok, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la peine de payer pour un club ou une salle de gym, d'accord? Tiens, Jack, tu grimpes à l'arbre. Moi c'est Ludovic en fait. Hey, il s'appelle Ludovic. Ludovic, Jack, Joséphine. Oh, c'est pas ton prénom qui va s'accrocher au bronze, bonhomme. Bonjour Monsieur Costa, Maître Chassaigne, enchanté. De 1988 à 1990, vous avez fait 693 dons de sperme sous le nom de Fonzi. Vous êtes le géniteur de 533 enfants, dont 142 veulent connaître votre identité. Comment est-ce qu'il peut le savoir, le spectateur, qu'il est 100% hétéro, puisque toute sa famille est persuadée qu'il est 100% homo? À moins que toute sa famille soit complètement conne! J'espère que vous appréciez le coupé décalé, monsieur Verneuil. Je ne connais pas, malheureusement. Coupé décalé. Ah oui, j'en suis sûre. Il a un anniversaire avec sa cousine à Saint-Germain-en-Laye. Allô? Ah. Bon ben, je te laisse, hein. C'est mon téléphone. Lucie? Voici la potion magique qui donne une force surhumaine. Cadeau. Vous la coûterez pas avant pour être sûr? Non, pas toi. Il ne vous reste plus qu'à vous mutiner et fuir. Vous êtes libre. Bon, moi j'ai tout d'abord envie de... Quand je la mets, ça fait des grumeaux. Ah oui. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Je vais t'en faire une bonne poêlée, moi, de champignons. Tu vas voir... Oh, oh, oh. Donc papa va prendre un appartement juste à côté de chez maman. Comme ça, vous aurez deux maisons. La maison de papa et la maison de maman. Non, c'est bien. Mmh.
putain! Oh putain! Oh là là! Oh, ça faisait longtemps. Et donc, tu crois que les gens nous voient comme ça? Bah oui, j'imagine. Mets-moi une gifle. Quoi? Comme ça, on saura si c'est vraiment nous. Et Gaston! It's my fault! How so? Please, explain to me, because I'm fucking stupid! I'm so stupid that I actually believe! S'il vous plaît! That I actually... Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Merci. That I actually believe that you're anything but... C'est trop injuste, c'est vrai, je faisais mon boulot! Regardez, il y a une autre broche. Oh, merci. Bon allez, j'ai du boulot. Attendez. Oh, c'est bon là, vous êtes en train de ralentir ma productivité. Vous aviez une rose. Ça va, Doc? Tu peux dire deux connards planqués dans le buisson là, qu'à la place de traîner, qui retournent bosser au studio, s'il te plaît? Je savais même pas qu'il y avait des buissons ici, mon pote. Ouais. Avec eux. T'inquiète pas, c'est bientôt fini. On a pour mission de créer une cellule d'Al-Qaïda. Rasez vos barbes, fondez-vous dans la masse, fumez, buvez, défendez l'Amérique et Israël s'il le faut, mais personne ne doit se douter de rien. Je te suis. Le gouvernement t'a montré. Tu sais, c'est pas des aristos, les bonnes manières, ils connaissent pas. Bah justement, ça va être plus facile. Crois pas ça. T'as qu'à porter à boire pour la table du fond. Merci. Salutations, fidèle Acham. J'ai une mission pour toi. Tu diras à Joris de sortir de sa cachette. Il est temps qu'il apprenne la vérité. Suivez-moi! Alors quoi? Une amitié, c'est tout. Vous êtes encore là-dessus, là? Ouais. Regarde, ouais. Tu la vois, la tour, là? Et là, la fumée. Ouais. Comme dans les images du 11 septembre, celle de la télé. Et là, regarde sur le 50. Après, il n'y a plus rien parce que les tours, elles sont tombées. Tu vois? Mais c'est comment bon. C'est possible? Mais parce que tout a été planifié. Ouais, tu vas loin. Là. Après, j'ai plein de gâteaux. Aïe! 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 Ah, t'es devenu un faible. Non. Ah, t'es devenu un... Pas de problème, on s'en occupe. Bonjour, c'est Olivier de la milice. Cet homme, il avait des juifs dans le voisinage. Heureusement, il nous a prévenus à temps, sinon, crac, il lui aurait volé tout son argent. Embarquez-les, Lucien. Et vous, monsieur? On va vous faire... Formidable. Mais moi, justement, j'aimerais bien voir votre côté révolutionnaire. Faites péter le côté révolutionnaire qu'il y a en vous. Je veux voir du Serge... Guevara. Tu veux du rap révolutionnaire? Ouais, je veux du rap révolutionnaire. Tu veux du rap révolutionnaire? Mais je vais te donner. Du lourd. Ah ouais? Et du très lourd. Bah, vas-y. En tout cas, bien joué. Comment ça? Faites pas genre, le coup de la panne et tout. Mais là, la voiture est vraiment en panne. Ouais, c'est ça. Et mes seins, c'est des vrais. Posté.
Donc c'était vrai toute cette histoire? Mon oncle, c'est une légende à Marseille. Bah le gars a calé là. Mais c'est toi qui me stresses, tu me mets la pression aussi là, s'il te plaît, je me concentre mal après. Bouge, je prends le volant. Des voyages de groupe pour que les femmes françaises puissent aller se faire avorter à l'étranger. On est un peu loin du concept. Vous confondez avec IVG. Nous, c'est des EVG, c'est des enterrements de vie de garçon. C'est moins dans le « Oh là, plus de bébés !» On est plus dans le « Hey, on va faire des bébés !» J'ai un problème de sommeil, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je dors tout le temps. CRJM. Centre d'accueil de jour médicalisé. T'as oublié le A, t'es dans le je t'ai vu. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demande... On dégrade un innocent! On déshonore un innocent! Vive la France! Mais ça va pas être suffisant ce soir, je suis désolé. Alors, Ah, vous là-bas, vous! Vous êtes combien? Nous, 4. 4? Ouais. Que des mecs, hein, y a pas l'ombre d'une meuf avec vous! Non. Parfait, venez les gars! En ces heures douloureuses, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui. Qu'il faut cesser le combat. Personne ne veut résister à la disparition de la France. Je retourne cet après-midi à Londres pour tenter d'arracher le soutien de Churchill. Not a chance. Travaille, mets un peu de conscience, mets un peu de fond, mets un peu de maturité. C'est tout. Ah, ça va. C'est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap. Tu fais des films de vendus. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Attends. Nos amis africains sont très tendus. Bonjour, monsieur. Ils ne se sentent pas respectés ni traités d'égal à égal. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bravo. Qu'est-ce que vous faites, là? Je porte vos valises. C'est mon travail. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Rassurez le président.